Petit retour sur la Capra Sport version mid, donc qui est une chaussure dite fast hiking, c'est-à-dire une chaussure légère pour faire de la rando un peu rapide, ça va très bien, on n'est pas obligé d'aller vite. Sur des terrains de moyenne montagne, à peu près comme ici, c'est une chaussure qui a une semelle qui est assez peu crantée, donc c'est plutôt indiqué sur terrain sec. La semelle relativement fine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop pierreux, etc. La rigidité, donc il y a pas mal de souplesse devant. Ici, il y a quand même un amorti talon et un peu plus de densité. Alors la particularité de cette chaussure, c'est d'avoir ici une sorte de manchon au niveau de la prise de cheville. Alors c'est quelque chose qu'on sent surtout au début quand la chaussure est neuve. Et ça vaut le coup de la mettre avec des chaussettes quand même assez dimensionnées. Alors le gros intérêt, c'est que ça évite aux poussières, aux petits cailloux, si on va vite, aux feuilles de rentrer dans la chaussure. Donc ça c'est quand même bien appréciable, ça évite de s'arrêter pour enlever les détritus qui tombent dans la chaussure. Par contre on le sent un petit peu au début, hein, c'est un manchon qui vient un peu serrer la cheville, un manchon en néoprène avec une couture. Voilà, sinon c'est une chaussure qui a une membrane GTX, donc qui est bien surtout quand il y a un petit peu de rosée le matin dans les herbes. Voilà, le chaussant est moyen, c'est un chaussant médium, je veux dire, donc qui va pour à peu près tous les pieds, il y a assez de place devant pour des pieds un peu forts, et donc c'est une chaussure qui est légère, et qui va bien donc pour faire un petit peu de cardio en moyenne montagne, peut-être même un peu sur des altitudes supérieures à 2500 mètres, mais il ne faut pas que ça soit des parcours trop techniques, ou que ça soit en conditions humides, ou voilà, si on est sur s'il y a des petites plaques de neige, des petits névés, on sera quand même pas très bien avec ce genre de godasse. Voilà, c'est plutôt fait pour des terrains secs comme ici, et là c'est parfait, c'est une chaussure qui est intéressante. Voilà. Bon, juste un petit point, là j'ai cassé la petite boucle pour pouvoir les enfiler. Bon, je pense que je vais pouvoir la recoudre. Bon, c'est un petit point un petit peu dommageable, quoi. Voilà. Au niveau du pare-pierre, il y en a un petit peu au niveau du talon, et puis un peu des protections qui partent devant, mais c'est tout à fait ce qu'il faut pour ce genre de chaussures. Voilà.